Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on commence enfin le fameux Pokémon Master X. Alors du coup moi je l'avais déjà fini, mais il y a toujours plein d'événements et ça fait que on va pouvoir faire plein de choses. Ok, alors maintenant on va affronter soit eux, d'accord, c'est cool. On va se faire bien débuler. Mais avant, je vais récupérer mes cadeaux. Ça veut bien marcher. C'est sûr. Pourquoi tant de haine? Bon, je reviens. Et bien du coup là je vais faire un appel duo, 11 appels duo. Et bien évidemment j'aurai rien. Mais c'est super ça. En un seul coup j'ai eu celle-là là. Iris. C'est super ça. Bon du coup on peut enfin commencer. Non je veux pas de ta boutique. On va enfin commencer les événements car il y a plein d'événements entre temps. Je vois la route victoire. Alors. Jamais vu. Événement spécial. Quelque chose d'étrange à Passion. Avec la Team Break. D'accord. Hey. Bonjour, pardon de t'avoir fait venir aussi soudainement, Fucker 0013. On nous a signalé que des choses étranges auraient été aperçues dans tout Passion. Aurais-tu remarqué quoi que ce soit d'anormal, toi aussi, Fucker 0013? On ne sait pas encore de quoi il s'agit. Certains les décriraient comme une sorte de Pokémon, mais ce n'est pas très clair. Bien sûr que si, c'est des Pokémon. Si tu pouvais aller inspecter les endroits où ces créatures ont été vues et en ramener, je t'en serais très reconnaissant. Ça me dit quelque chose, car là je mens. Ah bon? Tu penses savoir où en trouver? Dans ce cas, allons explorer Passion ensemble. Super! On va faire le tour de Passion avec un prof qui va lui raconter toute sa vie pendant 2 heures. Et c'est déjà terminé. Mais c'est super tout ça! C'est la décadence! Les événements sont de plus en plus courts, c'est la fin déjà! Oui, c'est déjà la fin. Là, je gagne. Genre, on pourrait avoir un Amo Vénus de Pokémon Arceus, ça ce serait cool en effet, mais sinon à part ça je vois pas ce qui pourrait être cool. Recherche dans Passion avec une note bizarre que je ne comprends pas. Et moi avec ma team super trop méga forte, niveau 120, tranquille, content des niveaux qu'on fait 10, tranquille. Dire qu'on avait dissous la team break et elle revient. Mais c'est la décadence tout ça. Oh bonjour, je vais tous vous one-shotter en un coup avec une seule attaque. Regardez bien. Oh tiens, j'ai pas du tout une attaque trop ferme. Goodbye. Quoi? Ok, lui m'énerve. Il m'a cherché. C'est pas la même chose. Dégage. Ça t'apprendra. La note tranchère. Goodbye. Ça, c'est pour avoir résisté à l'attaque de mon Florizarre. Même si c'est pas le. Bref. Je savais que t'étais nul, Leaf, mais autant, c'est pas étonné quand même.
Ça, c'est quoi ce truc? Oh! Intéressant. Donc, d'ailleurs, j'ai cru qu'il y avait un nouveau truc dans le scénario principal. Je vais regarder. Mais je parle vraiment dans le scénario. Et non dans les batailles légendaires. Je parle de ça, là. Il y a un truc là-dedans, mais comme dans le VPN, c'est impossible. Oh non, c'est nul. Oh, c'est à cause de ça. D'ailleurs, je referai le truc en mode difficile. Ah non, c'est que les combats. Non. Je referai les trucs pour vous. Alors, là, on voit l'instant tout à droite. Elzamina, le boss de la team Aqua. C'est soit Max, soit Silver, Gettys, Guzma et Cherose. Et dans ce truc. Ah! Mais j'ai déjà tout fait. Enfin, pas là-dedans, mais... Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Salut !